ce mercredi 13 avril vers 12h30, un immeuble désaffecté de la rue du régiment de Bigorre a pris feu dans des circonstances qui restent à éclaircir. Lorsque les pompiers arrivent sur place, d'impressionnantes flammes se dégagent d'un appartement au premier étage du bâtiment situé au numéro 114. À peine ont-ils posé pied à terre que le feu se propage rapidement au niveau supérieur, puis menace un immeuble mitoyen. Immédiatement, le trafic routier est interrompu par la police depuis le rond-point de la statue du maréchal Foch jusqu'au croisement de la caserne du 35e RHP. Face à la violence de l'incendie, deux échelles aériennes, deux tarbes et deux bannières de Bigorre sont déployées et se font face pour venir à bout des flammes qui progressent rapidement, nourries par la structure en bois de l'immeuble. À cet instant, la priorité des soldats du feu est de secourir de potentielles victimes prisonnières des flammes et d'évacuer les personnes qui se trouvent aux abords du sinistre. Après les reconnaissances effectuées dans l'immeuble, rendues difficiles par l'effondrement partiel des escaliers, les pompiers constatent avec soulagement que le bâtiment est vide.